Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Începe astăzi ediție limitată, o serie de dialoguri cu figuri excepționale din lumea internațională a literelor. Grație colaborării excelente cu editurile din România, suntem în măsură să vă oferim aceste dialoguri premium săptămână de săptămână. Prima întâlnire astăzi este cu unul dintre cei mai cunoscuți, dar și cei mai iubiți autori de limbă franceză la nivel mondial, Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour, monsieur Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que vous êtes accompagné par le parfum d'une bougie lavande lorsqu'on fait cet entretien? Tout à l'heure, je mettrai la bougie à la lavande parce que, oui, j'ai besoin de cette odeur pour m'emmener dans l'imaginaire, pour m'emmener là où les histoires s'écrivent, où les personnages existent. Et ça fait partie des couloirs que j'emprunte pour aller dans mon univers romanesque. Donc, si on parle de votre dernier roman traduit et publié en Roumanie, on a ce paradis perdu, un grand succès de public et de critique en même temps. Et c'est le premier épisode, disons, d'un gigantesque roman fleuve, la traversée des temps. Mais vous vous rappelez comment l'idée pour ce roman fleuve est-elle apparue? Oui, j'étais un jeune professeur à l'université, j'avais 25 ans, je venais de finir mes études, je commençais à enseigner la philosophie et surtout je recommençais à lire pour le plaisir, parce que vous savez bien que pendant les études, on ne lit que des livres entre guillemets utiles. Et donc je retrouvais le plaisir de la littérature, la force de la littérature. J'ai été soudain traversé par cette idée, raconter sous forme romanesque notre histoire, l'histoire de l'humanité, expliquer comment nous sommes arrivés, nous qui venons de chasseurs-cueilleurs perdus dans une nature pleine d'autres animaux, comment nous sommes arrivés à ce monde totalement construit, hominisé, où les hommes sont reliés ensemble, où le mouvement d'aile d'un papillon à Singapour va changer ce qui se passe à New York, à Bucarest ou à Paris. Donc, comment ce monde-là s'est construit, faire l'histoire de notre civilisation. Et j'ai tout de suite eu l'idée d'un personnage qui traverserait les temps, un personnage qui serait immortel. D'ailleurs, ce n'est pas un cadeau d'être immortel, c'est plutôt un fardeau, un poids très lourd. Et ce personnage serait non seulement le témoin des grands mouvements qui ont fait notre histoire, mais il serait aussi parfois l'acteur de ces grands mouvements et il serait resté dans l'histoire sous un autre nom que son nom véritable. Et dans le premier épisode, par exemple, Le Paradis perdu, on découvre que Noam, mon héros, a été retenu par l'histoire sous le nom de Noé. Cel mai recent proiect editorial al lui Éric Emmanuel Schmitt este unul ambițios și spectaculos în același timp. La Traversée de Temps este un alt fel de istorie a lumii, văzută cronologic, dar și spiritual. Primul volum al colecției, Paradisuri pierdute, a fost tradus și publicat în România de Humanitas Fiction în februarie 2022, dar Éric Emmanuel Schmitt se află deja la cel de-al treilea titlu al seriei, Soleil Sombre. Voilà, alors j'avais 25 ans. J'étais capable d'avoir l'idée, j'étais incapable de la réaliser. C'était trop tôt. Je n'avais pas mes moyens artistiques. Il fallait évidemment beaucoup travailler, beaucoup lire, beaucoup réfléchir pour avoir une lecture de l'histoire. Alors, cette idée est devenue un programme. Je me suis dit, j'ai rendez-vous avec ce livre. Un jour, je me présenterai au rendez-vous. Eh bien, j'ai attendu 30 ans, parce que plusieurs fois, j'ai cru que ça y est, j'étais prêt. J'ai commencé à écrire et j'ai constaté que non, je n'étais pas prêt. Et puis, il y a 3 ans, j'ai eu de nouveau ce sentiment d'être prêt et je me suis rendu compte qu'effectivement, le livre coulait comme une source, comme tous mes autres livres. Donc,
L'enfant était né en moi et je n'avais qu'à accoucher. Quel était votre rapport avec le temps quand vous avez commencé à écrire et quel est ce rapport maintenant? Vous savez, je crois que le temps, on le subit, c'est ce que pense tout homme, mais je crois que le temps peut être notre ami. Parce que le temps, c'est ce dans quoi nous pouvons déployer notre être, notre force, nos projets, nos ambitions. En me mettant à écrire ce livre, je me suis offert 10 années de vie devant moi, merveilleuse, magnifique, intense, pleine de suspense, d'idées, de chocs, de pensées, d'émotions. Et le temps passé a été mon ami puisqu'il m'a permis de construire la culture nécessaire et les moyens d'écrivain pour faire ça. Et puis le futur est un temps ouvert avec une belle route. Donc je ne suis pas un ennemi du temps. Le temps est mon ami. Pensez que votre temps antérieur en tant qu'écrivain soit différent de ce que vous vivez ou plutôt que les gens autour de vous vivent? Oui, mais je crois que l'écriture, c'est la capacité d'abolir, de supprimer toutes les distances. La distance entre soi et l'autre, entre un homme et une femme. Quand je lis un roman italien, je suis italien. Quand je lis un roman russe, je suis russe. Quand je lis le roman d'une femme, je suis une femme. Quand je lis le roman d'un vieillard, je suis un vieillard. Et en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, je vis dans la littérature cette suppression des frontières et de la distance. Je peux éprouver cet humanisme profond. Et je crois que c'est ce qui fait notre intérêt à tous pour la littérature. Donc, effectivement, moi, je m'enrichis de tous ces voyages, soit en tant que lecteur, soit en tant qu'écrivain. Je veux dire, si vous lisez Paradis perdu, vous serez de plein pied il y a 8000 ans. Dans une région d'ailleurs qui est très proche d'où vous êtes. Oui, exactement. Vous vous rendrez compte peut-être que c'était merveilleux d'être un de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et de vivre dans ce monde-là, que ça avait aussi des voluptés, des émerveillements, des violences bien sûr. J'ai l'impression que la littérature, c'est une forge dans laquelle se constitue l'humanité et se retrouve l'humanité, grâce à cette abolition de la distance, du temps, de l'espace, de la frontière des peaux, des cerveaux, on peut être ensemble. Vous avez déclaré que l'immortalité vous semble séduisante, mais seulement pour un instant. Pourquoi pas à long terme? Comme tout homme, oui, j'ai du mal à l'idée de ma mort et j'ai encore plus de mal à l'idée de la mort des autres, devant la réalité de la mort des autres. Donc, comme tout homme, je suis obligé d'apprivoiser cette idée. Et franchement, en écrivant ce livre, je retrouvais vraiment la sagesse des anciens philosophes qui consiste à vraiment non seulement accepter la mort, mais l'aimer. Spinoza disait qu'il faut aimer la nécessité. Mais je me suis rendu compte en écrivant sur des milliers de pages, parce que moi je suis plusieurs milliers de pages en avance sur la publication, je me suis rendu compte qu'être immortel serait un supplice. Rester éternellement avec les mêmes questions sans réponse. Ajouter d'année en année, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, des chagrins, des manques à cause des disparitions des autres êtres, me serait totalement insupportable. Écrire vous laisse le temps aussi de vivre ou écrire, c'est vivre? Non, je vis.
J'aime profondément la vie. Mais vous savez, écrire pour moi, ce n'est pas me mettre à ma table tous les jours. Écrire, c'est juste quelques semaines par an. Parce que mes livres, ils se font dans ma tête. Là, en ce moment, on parle, mais je suis en train de prendre des impressions, des sensations. Je suis en train de vous absorber. Non parce que je m'intéresse aux gens. Et je sais que ça va se déposer dans mon cerveau. Et quand, tout d'un coup, il y aura dans une histoire quelqu'un qui peut-être sera inspiré par vous ou aura quelque chose de vous, ça reviendra. C'est comme ça, les livres, ça se fait tout seul. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un écrivain, j'ai l'impression d'être un jardinier avec un jardin où il y a des arbres. Alors, il y a des arbres qui font des romans, il y a des arbres qui font des pièces de théâtre, il y a des arbres qui font des nouvelles, des contes. Et moi, le jardinier, je vais voir ce qui est mûr. Et puis quand un fruit est mûr, je le cueille, c'est-à-dire j'écris. Si vous me permettez une telle réduction, je dirais qu'ils sont quatre les axes de votre œuvre. La religion, la musique, les femmes et l'âme. Ajouteriez-vous une autre? Je mettrais un mot sur tout ça, l'amour. Vous savez, notre époque est triste et cultive la tristesse. Il vaut mieux cultiver la joie. Qu'est-ce que c'est la tristesse? C'est le rapport à ce qui nous manque. La joie, c'est le rapport à ce qu'on a. Alors, la même vie, vous la regardez à travers la tristesse. Mm-hmm. Ce qui manque, ben, il manque toujours quelque chose. Il y a des êtres qui sont partis, qu'on aime. On manque de temps, on manque d'argent. On manque toujours de quelque chose. Mais la même vie, vous la regardez à travers l'axe de la joie. Eh bien, vous êtes heureux d'exister. Vous êtes heureux d'être avec les êtres avec qui vous êtes. Vous êtes heureux d'avoir ce que vous avez. Donc, notre bonheur dépend beaucoup de nous, c'est-à-dire du regard que nous portons sur la vie. Je crois vraiment à la force de la pensée, la force de l'âme. C'est le regard qu'on porte sur les choses qui fait qu'on a une vie merveilleuse ou horrible. Bien que vous soyez diplômé en philosophie et des idées philosophiques traversent vos livres et vos pièces de théâtre, pourquoi pas, c'est la simplicité, à mon avis, qui domine ce que vous écrivez. Comment réussissez-vous vous garder toujours si bien lisible? Ah, c'est tout mon travail. Ouais. Vous savez, la simplicité, ce n'est pas le simplisme. Oui. Voilà. Le simplisme, c'est l'ignorance des difficultés. La simplicité, c'est les difficultés résolues. Donc, ça prend beaucoup de temps. Une fois, il y avait un grand homme politique français, Clémenceau, qui était arrivé à la Chambre des députés. Et il avait un gros discours comme ça. Et il a regardé les députés en disant « Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas eu le temps de faire court ». Effectivement, faire court, arriver à l'essentiel, ça prend vraiment, vraiment du temps. Moi, c'est ma passion. C'est aussi pour des raisons familiales. Mes grands-mères étaient des femmes qui avaient dû quitter l'école à 14 ans pour travailler. Elles étaient très intelligentes. Elles auraient pu faire des grandes études. Mais elles n'ont pas eu accès à la culture parce qu'il fallait vivre. Et quand j'écris, je me dis toujours qu'il faudrait que mes grands-mères puissent me lire. Bon, maintenant, elles sont parties, mais elles ont lu mes premiers livres. Voilà, des femmes intelligentes, mais qui n'avaient pas de culture, parce que la vie n'avait pas été généreuse avec elles. Et donc, je me dis toujours qu'il faut que j'écrive à la fois pour mes grands-mères et puis pour mes amis. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire des études, des grandes études. Mmh. Et donc, j'ai des amis très cultivés. Donc, il faut que ça puisse les intéresser, eux, et qui voient qu'il y a plusieurs couches de travail, etc. Et puis que ça puisse intéresser des gens pas cultivés, mais intelligents. Voilà. Autrement, j'aurais l'impression de trahir. Chacun de nous développe des liaisons d'attachement avec les personnages livresques. Dans votre roman, c'est Barak qui a suscité ma sympathie plus que les autres. Vous êtes amis avec vos personnages? Oui, je les fréquente parce que je les aime, parce que je les fréquente, et je les fréquente parce que je les aime. Ah, ils ont une existence propre. Barak, je vais vous dire la vérité, je l'adore aussi. Voilà, et tout le monde l'adore, je veux dire. Mais quand il est arrivé dans mon histoire, je ne savais pas qu'il serait si important.
Je ne savais pas qu'il prendrait autant de place, qu'il aurait autant de rayonnement, qu'il remplacerait finalement le père défaillant en étant cet oncle magnifique pour Noam. Je ne savais pas que c'était un grand amoureux, ce qu'on découvre à la fin, que c'est un personnage romantique, avec une allure pas romantique. Voilà, il m'a continuellement surpris et j'ai pleuré quand j'ai écrit sa mort. La traversée des temps représente un projet éditorial colossal et vous êtes sans doute très confiant dans votre énergie en tant qu'auteur. N'avez-vous jamais peur? Si, bien sûr. Mais vous savez, j'écris toute la journée, le soir, je suis épuisé, exténué. Chaque soir, je me dis, je vais mourir. Je suis trop fatigué. En même temps, je suis content d'être fatigué parce que cette fatigue montre que ma journée était bonne. Vous voyez, c'est terrible de se coucher le soir pas fatigué. Moi, je veux me jeter sur le lit épuisé. Et là, je soupire de bonheur. Mais bon, j'ai quand même le sentiment que c'est la fin, etc. Et le matin, je me réveille. Et c'est ma force, elle ne vient pas de moi. Elle vient du livre. Le livre m'appelle, me donne son énergie et je plonge dedans. Donc, en littérature, comme dans d'autres champs de la vie, l'énergie vient du projet, pas de l'individu qui s'y consacre. Et moi, ce projet a une telle force qu'il me donne des forces. Ces dernières deux années ont nourri le verbe de beaucoup d'écrivains, mais d'une manière sombre, grave, tout comme un miroir du monde contemporain. Vous, pourtant, vous avez réussi à garder une certaine sérénité. Comment? Oui. Mais parce que je suis profondément humaniste, c'est-à-dire que je crois, enfin j'ai une vision, je pense, lucide de l'homme, c'est-à-dire je pense qu'il est capable du pire et du meilleur. C'est bien ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment, y compris dans l'activité politique des jours que nous traversons, le pire et le meilleur. Simultanément aux informations aujourd'hui, on voit ça. Alors, je suis pas en train de supprimer le pire pour le meilleur, mais je suis plutôt que de ne faire que me lamenter du pire, je cultive le meilleur. Et voilà, je crois en la faculté de l'homme de s'élever au-dessus des malheurs qu'il engendre lui-même, et je crois à sa capacité de progrès. Aujourd'hui, nous sommes guettés par plusieurs cataclysmes climatiques, cataclysmes politiques. Mais en face de ces dangers, que faut-il faire? Et faut-il dire « c'est horrible et ça sera pire demain, j'abandonne » Être pessimiste, parce que le pessimisme, c'est l'abandon et la lâcheté. Ou est-ce que c'est se dire en face de ce tragique, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde change? Et ça, c'est être optimiste. Et l'optimisme n'a pas raison. Le pessimiste n'a pas raison. Aucun des deux n'a raison ni tort. C'est simplement une réaction au réel, au même réel, au même diagnostic du réel, qui consiste à dire ça ne va pas. Le pessimiste dit ça ne va pas et ça sera pire demain, je me couche. Et l'optimiste dit « ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour que demain soit meilleur ?» et je m'engage. Voilà. Donc l'optimisme, c'est la volonté qui s'allie au courage. Et je suis définitivement, volontairement, pas seulement par tempérament, du côté de l'optimisme. Votre livre est aussi un roman de la guérison. Quelle est votre opinion? Est-ce qu'on est si malade au point d'avoir absolument besoin de guérir? On n'est pas malade, on est fragile. Toute vie est éprouvée par des malheurs, la disparition des proches, la maladie, parfois les difficultés matérielles, la guerre ou le danger de la guerre, l'angoisse économique, etc. etc. C'est notre lot à tous. Et alors, est-ce qu'on... Donc, que faire? Est-ce qu'il faut être accepté d'être dévasté définitivement
par les malheurs que nous rencontrons forcément, ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre et à trouver une façon d'habiter le tragique. Moi, je crois qu'on dit, mais on dit que mes livres sont optimistes et qu'ils sont pleins de vie, mais tout simplement parce qu'ils n'ignorent pas le tragique, mais ils tentent d'habiter le tragique d'une façon qui n'interdise pas le bonheur, l'envie de faire, l'envie d'aimer, le désir et la volonté de progresser. Născut în Belgia, Eric Emmanuel Schmitt este, fără doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți, mai iubiți, mai traduși și mai jucați autori și dramaturgi de limbă franceză la nivel mondial. Are o activitate prolifică, scrie romane, proză scurtă, nuvele, culegeri de povestiri, eseistică, literatură pentru copii, imaginează, regizează și joacă în spectacole de teatru și, în general, livrează publicului exact ceea ce se așteaptă de la el. Lirism, emoție, sensibilitate și erudiție îmbrăcată în haina simplității. Vous avez cette volupté de la phrase, de la parole, de la musique, mais aussi de l'image peinte avec les lettres. On dirait que vous êtes un hédoniste. Oui, un hédoniste tragique. Oui, bien sûr. Ah bah, vous savez, pour moi, je suis de formation philosophique. Je mets de la philosophie dans mes livres, mais dans la mesure où je suis romancier, je me considère plus comme un artiste que comme un philosophe. Et pour moi, la différence entre la philosophie et l'art, c'est que la philosophie veut comprendre le monde, alors que l'art veut célébrer le monde. Et donc, quand j'écris, de même qu'un peintre va célébrer la lumière sur les objets, qu'un musicien va célébrer l'harmonie des sons ou des rythmes, moi, j'écris pour célébrer le monde, la complexité humaine, les sentiments humains. Et pour ça, je me sers des phrases. Et donc, j'aime la phrase, j'aime me couler dans la phrase, j'aime quelle est sa musique. Ça se sent et se voit aussi. Voilà. Et pour répondre à votre question, oui, je ne vais pas rater une occasion de jouir. L'un des personnages de votre livre « La femme au miroir », vous la décrivez comme un mélange entre la légèreté et l'intellectualité. Vous-même, vous êtes un tel mélange. Comment garder la juste proportion ? Vous savez, la légèreté, c'est une sagesse, c'est une philosophie. La légèreté, c'est se débarrasser du pathos, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui pèse, de tout ce qui empêche de vivre. Quand vous écoutez Mozart. Exactement, je pensais à Mozart. Voilà. Mozart, c'est mon modèle, c'est mon maître. Je ne serai jamais à son niveau, mais il est là, l'exemple, devant moi. Voilà, Mozart, il a tout compris. Mais il reste vif, il reste. Sa profondeur n'est pas une pause de profondeur. Sa profondeur, elle est là. Vous la recevez si vous êtes vous-même profond. L'art, c'est la célébration de la vie. Je veux dire, les grands peintres, les grands musiciens, les grands écrivains célèbrent la vie. Ils peuvent même célébrer ce qu'il y a de dur dans la vie, ce qu'il y a de douloureux, de triste. Par exemple, vous savez, quand on est triste, on a la bêtise de croire qu'on a inventé la tristesse, qu'on est les seuls à être tristes, que jamais personne n'a été triste comme nous. C'est égoïste, la tristesse. C'est un peu aveugle. Eh bien, vous êtes triste et vous entendez un morceau de Mozart qui est triste. Eh bien, tout change. Parce que vous dites, ah, il connaît. Il sait ce que c'est la tristesse, puisqu'elle est dans sa musique. Et puis après, vous vous dites, mais c'est beau, la tristesse. Et ça, c'est une leçon de philosophie. C'est Mozart est en train de vous expliquer que on est forcément triste, mais qu'il faut aimer la nécessité. Il faut aimer la tristesse et la mettre dans sa vie. Parce qu'on n'arrivera pas à vivre sa vie en évitant la tristesse. On vivra sa vie en mettant la tristesse dans la trame de notre existence et en acceptant d'être triste, d'être gai, d'être mélancolique, d'être enthousiaste, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, j'ai eu beaucoup de leçons de philosophie qui me sont venues de la musique. C'est quoi le paradis pour vous?
c'est quand on ne se pose pas la question du paradis. Voilà. C'est quand on y est. Le problème des gens avec le paradis, c'est qu'ils n'aperçoivent la pancarte paradis qu'après la sortie. Mais quand on est dedans, on ne se c'est pose comme pas le bonheur. C'est comme le bonheur. Exactement. Qu'on ne jamais sent qu'après, c'est une période finie. Exactement. C'est l'extase sans la distance. Quel est son parfum, le parfum du paradis pour vous? Oh, pas forcément un parfum de fleurs, c'est-à-dire quelque chose de suave, de léger, qui peut s'enfuir, fragile. Presque immédiatement, on associe au terme paradis l'adjectif perdu. C'est un trope depuis longtemps. Le paradis pourrait jamais être retrouvé ou reconquis. Si. Je pense que le paradis nous traverse fugitivement tous. Nous avons tous subi ou vécu des extases paradisiaques dans la nature, fugitivement, dans le rapport à l'autre, dans l'amour, dans un regard, dans un geste. Oui. Ce qu'il y a, c'est que le paradis n'est pas disponible éternellement. Il est disponible fugacement. Plus qu'un roman historique, plus qu'une parabole, une allégorie. À mon avis, Les Paradis Perdus est un roman d'amour et de ses différentes facettes parce que vous dites, ou un de vos personnages, qui est exactement Barak, dit l'amour, il y est tout simplement. Il change, il a des visages toujours nouveaux, mais quand il y est, il nous reste. Oui. Et il reste pour toute la vie. Oui, il change de forme, mais il subsiste. Il y a une très belle phrase du philosophe grec Aristote. Aristote disait « Si tu ne m'aimes plus, c'est que tu ne m'as jamais aimé ». Et je pense qu'on peut tous se servir de cette phrase pour examiner notre rapport aux gens que nous avons aimés. Parfois, les personnes pour lesquelles nous avons eu une passion qui a disparu, oui, c'était de la passion, ce n'était pas de l'amour. Quand on a aimé profondément quelqu'un, ça peut changer de forme. Ce changement de forme est parfois triste à vivre. Mais l'amour subsiste. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est un attachement au mystère de l'autre. C'est vouloir que l'autre soit heureux. C'est souhaiter le bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne fait pas mon bonheur à moi. L'amour n'est pas toujours agréable. C'est la grande erreur des gens. Penser que l'amour, c'est forcément agréable. Alors, quand ça cesse d'être agréable, on change, on ne s'aime plus. Mais non, c'est plus compliqué que ça. L'amour profond n'apporte pas que des plaisirs. Vous semblez avoir pas seulement la joie d'écrire, mais aussi la joie de la langue française. Ah, ça, oui. Vous avez défendu avec panache partout dans le monde. Ça vous arrive de penser ou d'écrire dans des autres langues aussi? Il m'arrive d'écrire en anglais des petits textes ou de la correspondance, et je ne suis pas du tout le même écrivain. Mm-hmm. Je suis beaucoup plus ironique et à distance quand j'écris en anglais. Peut-être parce que ce n'est pas la langue avec laquelle j'ai appris à sentir, à toucher, à aimer. Donc c'est plus intellectuel. Le français, c'est charnel. Oui. Plus qu'une fois, vous êtes le metteur en scène ou le régisseur de vos propres textes et livres. Comment se passe ce glissement dans la peau de quelqu'un qui... au moins, dans sa définition, doit être un peu plus distant de l'histoire, du conte, pour mieux la voir. Mais en fait, je ne fais pas ça. Je ne me mets pas à distance. Je change de cerveau. Je
Je garde le même cœur, mais je change de cerveau. C'est-à-dire, mon cerveau de romancier, je l'enlève, et je prends un cerveau de cinéaste. C'est-à-dire, au lieu de penser la phrase, je vais penser le cadre. Au lieu de penser avec l'encre, je vais penser avec la lumière. Au lieu de penser le paragraphe, je vais penser la séquence. Et en fait, je repars de l'histoire telle qu'elle m'est apparue à moi, celle que j'ai dans mon cœur, je dirais. Et puis j'essaye de raconter cette histoire avec les moyens du cinéma au lieu des moyens de la littérature. Le chemin, c'est le sommeil. Dès que j'écris, dès que je commence à sentir les personnages, ça y est, je les vois, je les sens, je les approche, ils sont en train de me parler, je m'endors. Je tombe sur la table et je dors 5 minutes. Et puis je me réveille et je me sens pas bien, je me sens nauséeux. Mmh. Et dans cet état-là, j'écris toute l'après-midi. Et en fait, au début, j'étais furieux contre moi-même. Je me disais, enfin, c'est ridicule. Dès que tu commences vraiment à travailler, tu t'endors. Et puis je me suis dit, non, en fait, le sommeil, c'est un sas, c'est un chemin, c'est un corridor qui m'amène à l'imaginaire. En fait, ce sommeil, ce court sommeil, me permet de me quitter, moi, Éric Emmanuel Schmitt, avec ses soucis, son quotidien, ses responsabilités, et aller complètement dans le domaine imaginaire où les personnages parlent. Alors maintenant, j'accepte le chemin du sommeil. Et ça vous arrive toujours? Le sommeil fait partie de votre discipline de travail? Il fait partie des symptômes d'une bonne écriture. Voilà, quand je me rends compte que je m'endors, ouf, ça veut dire que le livre, il est là, et j'ai qu'à aller le chercher. Vous êtes aussi l'acteur pour au moins l'un de vos textes. Comment ça se passe? Écoutez, c'est un hasard. Il y avait un acteur, Francis Lalanne, qui jouait un monologue de moi, qu'on joue beaucoup, beaucoup en France, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Oui. Et puis, comme il est aussi chanteur, cet acteur, il avait des dates de concert où il ne pouvait pas jouer. Et donc, mes amis qui dirigent le théâtre m'ont dit « Reprends la vieille tradition française, l'auteur monte à la place de l'acteur qui est malade. » Et alors moi, j'ai dit « Ouais ». Et donc, en 5 jours, j'ai appris 1h30 de texte par cœur. Enfin, c'est moi qui l'avais écrit, hein. Bon, c'est plus facile. J'ai appris la mise en scène et je suis monté sur scène. Et ça a été un vrai bonheur. Une peur terrible, mais un vrai bonheur parce que j'échappais enfin à la solitude de l'écrivain. Mes personnages étaient avec moi sur scène, mais le public était avec mes personnages et moi sur scène. On vibrait ensemble. On vibrait. Et donc, alors maintenant, assez souvent, je joue. Parce que pour avoir cette émotion d'être avec le public. J'ai l'impression que le public en face de moi, c'est une patte de chat. Vous savez, une patte de chat, oui. Ça peut être très doux. Et puis... Et alors, je joue pour la patte de chat, pour savoir si elle va me caresser ou si elle va me griffer. C'est très électrique, c'est imprévisible. J'adore. La solitude, c'est un ingrédient indispensable pour vous? Oui. Et en même temps, je me demande si ça existe vraiment. La solitude, parce que quand on écrit, on n'est pas seul, il y a les personnages qui sont là. Donc, et parfois... C'est le silence absolu qui vous entoure. Oui, mais il y a même des personnages qui peuvent s'emparer, c'est presque un état de possession, presque au sens religieux du terme. C'est-à-dire que, moi je me souviens, j'ai écrit un de mes livres qui est un des plus lus en France et dans certains pays d'Europe, qui est La part de l'autre, un livre sur Hitler. J'essayais de comprendre Hitler de l'intérieur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient Hitler. Et malheureusement, en écrivant, je me rendais compte que oui, je comprenais très bien comment on devient... Comprendre n'est pas justifié, hein. Oui. Mais je comprenais très bien comment on pouvait devenir un monstre. Eh bien, le temps où j'écrivais ce livre, j'avais ouvert en moi toutes les portes qui permettaient à Hitler d'exister. Il était partout. Et un jour, j'écris enfin la mort d'Hitler dans mon livre. Il se tire une balle dans la tête dans le bunker à Berlin. Et puis je descends le soir et il y avait toute la famille et mes neveux, 10, 11 ans, me regardent et me disent « Tu l'as tué ».
Il dit, tu l'as tué, tu as tué Hitler. Ben, je fais, oui, comment vous le savez? Il me dit, c'est la première fois que tu souris depuis 3 mois. Je ne m'étais même pas rendu compte. Le personnage m'avait envahi. Voilà, donc si le personnage boite, je boite. Si le personnage chante, je chante. C'est pas une vie, écrivain, c'est plusieurs vies. Éric Emmanuel Schmitt, c'est écrire comme vivre ou vivre comme écrire? Que serait ma vie sans l'écriture? C'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. J'ai une gourmandise de la vie qui est équivalente à la gourmandise d'écrire, c'est certain. J'ai une vitalité dans la vie qui correspond à celle que je peux avoir en tant qu'écrivain. C'est le même homme qui vit et qui écrit. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute un destin, une fatalité. J'ai besoin de me retirer régulièrement du monde pour écrire le monde. J'ai besoin de me retirer de la vie pour écrire des vies, voire une vie éternelle. Je ne sais pas, c'est comme si vous demandiez à un pommier pourquoi il fait des pommes. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi je suis écrivain. Je suis écrivain, mais je précise une chose qui d'ailleurs en France est très difficile à comprendre. Je suis heureux d'être écrivain. C'est-à-dire que c'est un travail terrible, à plusieurs couches, un travail presque infini. Mais j'aime toutes les étapes de ce travail et tous les moments de ce travail. J'aime même mon travail d'écrivain quand je n'y arrive pas. Parce que quand je n'y arrive pas, ça veut dire que je vais y arriver après. Donc, voilà, donc je dis que je subis mon destin d'écrivain. Mais je ne le subis pas dans la tristesse et dans la douleur. Je subis un accomplissement. Je parlais d'abord de la simplicité qu'on trouve dans vos livres. Les personnages ainsi, ou plutôt la majorité de vos personnages, sont des personnages dominés par cette simplicité. Ils sont traités en quelques esquisses. Et je voulais vous demander, n'avez-vous jamais l'envie de créer des personnages, comme on dit en anglais, « larger than life » Là, il y a des choses. D'abord, vous avez complètement raison quand vous dites que je dis très peu de choses sur mes personnages. Je ne décris jamais, je suggère. Parce qu'en fait, je veux que vous, le lecteur, vous soyez très actif. Mm-hmm. Et en fait, je crois que mes livres, ils sont écrits à moitié par moi, à moitié par le lecteur. C'est d'ailleurs pour ça que mes lecteurs me disent 10 ans après, 15 ans après, je m'en souviens. Je dis, c'est normal, c'est vous qui l'avez écrit. Mais c'est vrai, c'est une méthode pour avoir un lecteur très actif. Personnage plus grand que la vie, bigger than life. En fait, j'aime bien montrer ce qu'il y a de petit dans les grands personnages et ce qu'il y a de grand dans les petits personnages. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité. On écrit pour créer de l'intimité, pour abolir la distance entre soi et les autres. On lit pour la même raison. Vous lisez pour devenir les autres. On écrit pour ça. Et donc, en fait, moi, je suis très cohérent dans ma recherche de l'intimité. Pour moi, l'écriture est l'expérience d'une fraternité. Je peux être à la place de l'autre, y compris à la place du monstre, du salaud, du barbare, du guerrier. Ça peut être aussi à la place de Mozart, ça je préfère, ou à la place de Jésus. Mais c'est ça pour moi, c'est écrire, c'est abolir la distance. Toujours dans l'idée de cette simplicité, vous parlez avec les mots de tous les jours des plus grandes et graves choses de la vie de l'homme qui sont l'amour, la maladie, la solitude et finalement la mort. Est-elle la meilleure manière pour vous? Pour moi, d'abord, il n'y a pas de hiérarchie des sujets, il n'y a pas des grands sujets et des petits sujets. Mais il y a une hiérarchie dans les modes d'expression.
Et je trouve que la simplicité est la façon la plus universelle de s'exprimer. Et tout mon travail consiste à être pouvoir... certains de mes livres, comme par exemple Oscar et la Dame Rose, moi je l'ai écrit, je suis un adulte, je l'ai écrit pour les adultes. Les enfants de 10 ans le lisent. Oui. Je ne l'imaginais pas en l'écrivant. Et je me rends compte que les enfants de 10 ans ont des discussions philosophiques après sur la vie, la mort, la fragilité. Et en plus, même, je dirais même que ces conversations philosophiques, elles sont plus intéressantes que celles des adultes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pathétique. Souvent, ils ont la chance de ne pas encore avoir connu la mort, des proches. Donc, pour eux, c'est un problème philosophique. Nous, bien sûr, on pleure toujours les gens qu'on a perdus. Donc, parler de la mort, déjà, c'est... Vous voyez? Donc, c'est uniquement par la simplicité qu'on peut arriver à créer des ponts avec tous les âges, avec toutes les cultures, avec toutes sortes de gens extrêmement différents. Vous avez déjà parlé de Mozart et aussi de ma vie avec Mozart, une sorte, à mon avis au moins, d'autobiographie extrêmement impressionnante qui révèle la musique pas seulement comme une thérapie, mais presque... à mon avis, comme une épiphanie. Oui. Et si la musique a été l'épiphanie pour vous, la littérature, c'est quoi? Je rêve que la littérature puisse avoir parfois les effets de la musique. Pour moi, elle sera toujours inférieure à la musique parce que Mozart n'a pas besoin de parler français, anglais, roumain, allemand, chinois. Mozart parle Mozart et tout le monde comprend. Je parlais de la figure de l'auteur, vous, immédiatement reconnaissable, comme je disais, mais une figure qui se pare toujours de la même simplicité. Vous n'abusez pas d'accessoires, vous êtes toujours dans des nuances ou couleurs primaires, pas d'artifice. C'est presque une continuation de vous, l'auteur. Je n'ai pas calculé. je ne sais pas. Là, vous me troublez. J'ai pas. Vous savez, moi, la vie publique, elle m'est tombée dessus à cause du succès. J'étais pas du tout prêt à avoir une vie publique. J'aurais été un écrivain comme Milan Kundera, qui ne se montre jamais. Ça, j'aurais adoré. Et puis, voilà, je suis dans une époque où c'est pas comme ça. Il se trouve que je ressemble visiblement un peu à ce que j'écris. Les gens retiennent ma figure, je sais pas pourquoi. Oui. Parce que dans des tas de pays, je me promène, les gens... Ah! Je me dis, mais c'est incroyable, comment font-ils? Parce que je vous dis... voilà, mais alors, c'est quelque chose, j'ai l'impression, c'est plus quelque chose que je subis que quelque chose que j'ai choisi. Moi, vous me proposeriez encore l'idéal de l'écrivain qui ne se montre jamais, j'irais. Vous me semblez un épicurien. Oui. Quels sont les plaisirs que vous aimez sublimer dans vos livres? Ben, en fait, dans mes livres, je ne parle jamais de nourriture, alors que ça tient une place tellement importante dans ma vie. Et je suis très pudique pour les choses amoureuses, alors que ça tient beaucoup de place dans ma vie. Enfin voilà, hein. Suggérer, ne jamais décrire, c'est mon idéal d'écrivain. Non, non, en plus, je tiens maintenant à affirmer deux choses en même temps, parce que souvent, on ne les affirme pas ensemble. Une dimension spirituelle et une dimension hédoniste. Parce que je n'aime pas du tout le cliché qui consiste à dire que si on a une vie spirituelle ou intellectuelle, on est... dégager des joies et des plaisirs du corps et de ce monde. Non, non, moi j'ai vraiment besoin d'affirmer les deux à la fois. De dire on peut aimer passionnément la vie, aimer passionnément le plaisir, les sensations, les voyages, les rencontres, etc. Et puis avoir aussi une vie méditative, une solitude peuplée, pratiquer la méditation, aller à la rencontre de l'inconnu. Mais les deux à la fois. Voilà. Ça a été un grand plaisir et un grand privilège. Merci de tout mon cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, citiți nelimitat.